croix, Seigneur. Seigneur, oh ma louange, te reviens, Seigneur, te reviens, Seigneur, te reviens. Que la gloire te revient, Père, et nous nous prosternons à tes pieds, nous venons en ta présence en ce matin. Afin de chercher ta face, afin que tu nous communiques du ciel toute ta grâce et ton inspiration. En ce matin, voici tes fils réunis en ce lieu et partout ailleurs où des cultes ont lieu. Nous te prions que ta grâce soit avec nous, que ton esprit nous inspire. Nous te prions que nous puissions, mon Dieu, connecter à ton cœur en ce matin. Accorde-nous ton cœur, Seigneur. Donne-nous de te faire plaisir. Accorde-nous, mon Dieu, d'être transformés en ta présence. Accorde-nous d'être visités en ta présence. Guéris-nous en ce matin, transforme-nous en ce matin, équipe-nous en ce matin, mais que nous puissions réjouir ton cœur. Père, voilà la fin de l'année qui est là, une année de bilan, une année, un mois de bilan, un mois où, oh Dieu, nous allons encore nous remettre en question et nous allons encore revenir à toi. Nous voulons t'offrir nos cœurs, nous voulons t'offrir nos vies, nous voulons te faire plaisir. Nous voici pour faire, oh Dieu, toute ta volonté. Ouvre les portes afin que nous puissions aller. Ouvre les portes afin que nous puissions te servir. Afin que nous puissions te servir puissamment. Afin que ta grâce soit sur nous, que ton esprit nous inspire. En ce matin, que chacun de nous qui sommes venus dans ce lieu puisse repartir avec une grâce exceptionnelle. Puisse repartir affranchi. Puisse repartir guéri. Puisse repartir comme un adorateur, un vrai adorateur devant ta face. Dieu merveilleux, toute la gloire t'est rendue. Toute la gloire est pour toi. Nous voulons, mon Dieu, être tes fils. Nous voulons que nos louanges, nos adorations montent devant toi comme un parfum d'agréable odeur. Tout est pour toi et nous sommes à toi. Oh Dieu, reçois nos louanges, reçois nos adorations, reçois nos acclamations, car tu en es digne, car tu en es digne. Tu es notre Dieu et nous t'aimons. Nous te disons oui, nous t'aimons. Et c'est alors que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Nous t'aimons, nous sommes tes fils, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, poussons des cris de joie pour notre Jésus. Alléluia! Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia! Alors que nous sommes enfin ou déjà dans le mois de décembre, le 3 décembre, nous pouvons déjà commencer à faire le bilan de l'année. Et ce matin, nous voulons nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous durant tout le long de cette année. Alléluia! Nous voulons compter ses bienfaits. Alléluia. Merci Seigneur. Poussons des cris de joie, qui a racheté ses lèvres son Dieu ce matin. Alléluia. Oh. Pour toi ce matin, oh oui, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom. Compte, compte, compte les bienfaits. Alléluia. Mets-les tous devant tes yeux. Dans ta tête, commence à compter. J'ai le souffle de vie. Merci Seigneur.
glissante. Tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Quand sur la route glissante, si tu perds dans le voyage plus d'un cher et de trésor, pense au divin héritage, ce que Jésus t'a promis. Alors tu peux compter, compte. On y va, peuple de Dieu. Encore, encore, compte. Tous ensemble, compte les bienfaits. Seigneur, tu as fait des grandes choses. Trouve-toi un voisin. Demande-lui combien tu as compté de bienfaits. Trouve-toi un voisin. Combien? Faut témoigner. Alléluia. C'est trop. Amen. Il a tellement fait. Hein? On peut témoigner. Nous pouvons parler ce matin ou pas? Est-ce qu'on peut parler de la bonté de Dieu ou pas? Est-ce qu'on peut parler de la fidélité de Dieu ou pas? Alléluia! Il a tellement fait. Nous ne pouvons nous taire. Alléluia! Ce matin, je veux chanter ta fidélité, Jésus. Woo!
Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, nous pouvons parler. Parlons. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Moi, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi en 2017. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai, de ta bonté, de ton amour, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Plus fort que ça, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. De ta fidélité. Moi, je dirai, j'irai dans le monde entier pour dire tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Hey. Je n'ai pas hésité. Yeah, yeah. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh mon Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Et aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestées dans ma vie. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Moi je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, tu as tellement fait pour moi, Seigneur. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit tous ensemble, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Tu as fait pour Annick. Hey. Je proclamerai la gloire de ton nom. De ton nom. Je parlerai, de ta bonté, Seigneur, de ton amour manifesté sur moi. Tout haut, tout haut. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, tu m'avais dit. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai, de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai. Je proclamerai
gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons la gloire de ton nom ce matin, Seigneur. Alors que tu as tellement fait, Seigneur, tu n'es pas resté sourd à nos prières. Tu as répondu à nos prières. Tu nous as donné, Seigneur. Tu nous as changé, tu nous as transformé. Tu nous as béni, Jésus. Nous ne pouvons nous taire, alléluia. Nous pouvons que rendre gloire à ton nom, alléluia. Nous pouvons que te bénir, alléluia. Nous pouvons que te célébrer, alléluia. Nous pouvons que nous réjouir dans ta présence, alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Tu es le Dieu puissant.
tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Oh, Adonai El Shaddai, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Mais tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Puissant pour agir, pour délivrer, tu es puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Toi le Dieu puissant, nous te célébrons, toi le Dieu puissant, nous te rendons la gloire, nous te rendons notre action de grâce ce matin pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Alléluia, d'un cœur reconnaissant ce matin, nous voulons élever nos voix, élever nos mains, Seigneur, pour t'adorer, t'adorer toi et toi seul, car tu fais des grandes choses dans nos vies et nous sommes dans la joie ce matin. Rien que le fait de me tenir debout, Seigneur. Rien que la force de me lever ce matin, c'est une grâce. C'est un de tes bienfaits, un de tes bienfaits, Seigneur. Et je peux te louer et t'adorer pour cela. Oh oui, tu es saint, saint. Quelle grâce de me tenir dans ta présence. Quelle grâce de me tenir dans ta présence. Quel privilège. Alors, Seigneur, je vais en profiter pour t'adorer, pour élever mes mains, pour te glorifier, pour te célébrer. Alléluia. Merci Seigneur. Toi qui sièges au milieu de notre louange, règne ce matin. C'est un privilège de t'adorer, Créateur de l'univers. C'est un honneur de me tenir debout. Saint, 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 Dieu tout-puissant. Tout-puissant. C'est un privilège. Devant toi, c'est un honneur de devant saint, 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 devant le Dieu saint, trois fois saint, tout puissant. C'est un privilège. C'est un tu rêves, que tu rêves, d'un cœur reconnaissant. Reconnaissant, je lève mes mains vers toi et proclame que tu rêves. Que tu rêves, et tu rêves.
pour t'adorer. Nous levons nos mains, Seigneur, pour t'exalter, te glorifier, toi le Dieu qui règne, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Alléluia. Créateur de l'univers, nous t'adorons ce matin. C'est un honneur de te vivre. Saint, 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 Saint. Se tenir devant le Dieu Tout-Puissant, quelle grâce! C'est un privilège. Créateur de l'univers, le Créateur de l'univers. Qui nous honore de sa présence. C'est un honneur de tenir devant toi. D'un cœur reconnaissant ce matin. D'un cœur reconnaissant, je lève mes mains vers toi. Et pourquoi que tu m'aimes. D'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant, je lève mes mains vers toi. Oui, tu règnes. Oui, tu règnes, oui, tu règnes, Jésus. Seigneur, nous voulons le proclamer ce matin, nous voulons l'annoncer ce matin, tu es grand et tu restes grand. Alléluia, alléluia. Tu es grand,
marchepied, Seigneur, tu es grand. Dieu, tu des grandes choses, Seigneur. Tu fais des choses glorieuses. Alléluia, tu es grand. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est grand. Fort dans le combat. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Je le dis encore, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Est-ce que tu es un Dieu grand? Tu fais de grandes choses. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance.
Encore une fois, émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Impossible. Nous sommes émerveillés. Me remplit d'espérance. Oh oui, il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est comme toi. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Mais elles sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant et ton nom. Tu fais de grandes choses ce matin. Tu fais de grandes choses. Mais elles sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant et ton nom. Tu fais de grandes choses. Personne peut lever sa main, sa voix, ses mains et dire à Dieu combien il est puissant. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore bénir ton Saint-Nom ce matin. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons dire combien tu es puissant. Jésus, tu es le Dieu incomparable. Jésus, c'est toi qui es capable de ramener à la vie une personne qui est morte et qui a commencé à se décomposer. Tu es le Dieu tout-puissant éternel. C'est toi qui, du néant, peux ramener des choses. C'est toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient déjà. C'est toi qui, de la simple déclaration, tu peux créer les choses. Nous voulons bénir ton Saint-Nom ce matin. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Père incommensurable. Oui, Seigneur. Tu es le seul qui peut aimer des hommes et des femmes qui n'étaient pas dignes d'amour. Nous voulons te bénir. Toi, le Saint qui est venu vers le pécheur pour les sanctifier afin de les rendre saints comme toi. Nous voulons bénir ton Saint-Nom ce matin. Combien tu es merveilleux. Combien nous sommes dans la joie de te célébrer. Nous voulons te bénir, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te rendre des multiples actions de grâce. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le créateur des cieux et de la terre.
Tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Tu es celui qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte sous l'esclavage à l'époque du Pharaon. Tu es celui qui de la mer a soufflé et les choses se sont passées. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Tu es le Dieu puissant. Nous sommes fiers et heureux de t'appartenir. Nous sommes fiers et heureux d'être appelés les enfants de Dieu. Oui, tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu grand. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tu es grand et ta grandeur nous échappe. Nous voulons te bénir ce matin. Qui est comme toi, Adonai? Qui est semblable à toi, ô le Dieu Tout-Puissant, Créateur glorieux, Père rédempteur? Alléluia. Tu es notre juge, tu es notre roi et tu es notre législateur. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te célébrer. Tu es merveilleux. Tu es le seul capable de créer du néant et créer quelque chose. Tu es le seul à avoir créé un être à son image et à sa ressemblance. Ce matin, nous voulons te bénir. Ce matin, les rachetés veulent te célébrer. Ô Dieu trois fois saint, ô Dieu puissant en parole, ô Dieu puissant en acte, ce matin, nous voulons te bénir. Jésus, que ton nom soit glorifié pour l'œuvre de la croix. Que ton nom soit glorifié pour ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, merci pour ton esprit. Oh, alléluia. Saint-Esprit, sois béni. Saint-Esprit, sois élevé. Merci pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu fais en nous. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es le Dieu élevé. Tu es élevé, tu as vaincu la mort. Nous voulons te bénir. Élevé, tu as vaincu la mort. Ce matin, nous voulons te bénir. Alléluia. Tu as manifesté ta puissance dans ta parole. Chaque fois que tu as parlé, quelque chose s'est passé. Raison pour laquelle ce matin, nous nous sommes réunis en ces lieux pour te célébrer et aussi pour t'entendre, pour t'écouter nous parler. Seigneur, nous voulons te demander de nous parler au travers de ta parole en ces instants et te demander également de nous donner d'être capables de t'entendre pendant que tu parleras. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, Père. Que ta parole fasse du bien à ton peuple ce matin. Nous mettons hors d'état de nuire
Et nous chassons loin de nous tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui est contraire à l'esprit du Père, tout ce qui peut chercher à nous rendre insensibles à la voix de Dieu. Seigneur, parle et que ton peuple entende. Au nom de Jésus, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien, saluons-nous les uns les autres. Salue ton voisin de gauche, de droite. Saluons-nous, saluons-nous. Amen. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce privilège, en même temps cette responsabilité qui est nôtre ce soir de partager la parole de Dieu. Nous voulons dire merci au pasteur Noéla et à Mamina qui ne sont pas là, qui sont au Congo, à Lubumbashi. Merci également à tous les amis prédicateurs, tous les amis du conseil, du comité qui sont présents en ces lieux. Merci également à vous tous qui êtes là. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Et nous voulons également dire un grand merci à nos amis les chantres pour ce temps merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. À chaque fois que vous nous amenez dans la présence du Seigneur, ça nous fait beaucoup du bien. Que Dieu vous fasse grâce afin que vous puissiez évoluer de gloire en gloire. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons essayer de parler brièvement parce que nous avons la Sainte Cène également aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, versets 17 à 24. Genèse chapitre 14, versets 17 à 24. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par les dieux Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, « J'ai enrichi Abraham. » Rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Amen.
Le thème que je veux que nous puissions partager ce matin, je l'ai intitulé comme suit: Abraham, Béra et Melchisédek dans la vallée de Chavé. Abraham, Béra et Melchisédek dans la vallée de Chavé. Abraham, Béra et Melchisédek dans la vallée de Chavé. Il est important pour nous de savoir que la vie que nous vivons sur terre est une question de ressemblance. Pour comprendre cela ou pour apprécier cela, vous allez voir déjà depuis les commencements, quand Dieu a voulu créer l'homme, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Au lieu que ça s'arrête seulement à la création, quand Dieu a créé les cieux et la terre, mais plus tard, nous nous rendons également compte que la vie chrétienne aussi est une histoire de ressemblance, mais de la ressemblance au Fils de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans le livre des Romains, au chapitre 8, verset 29, il dit « Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Regarde ton voisin de gauche ou de droite, dis-lui, aujourd'hui, il est question de la ressemblance. Il est question de la ressemblance. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Dieu nous a appelés en Christ pour que nous puissions ressembler également à Christ. Et Dieu, au jour d'aujourd'hui, pour nous faire parvenir à cette ressemblance, il peut nous faire traverser toutes sortes de vallées. Et les vallées les plus connues sont celles de l'ombre de la mort et la vallée de Baca. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre une autre vallée, la vallée de Chavé. Et dans chaque vallée que nous traversons dans notre vie, Dieu vient nous rencontrer et le diable aussi vient nous rencontrer. Donc, dans chaque vallée, nous faisons deux types de rencontres. D'un côté, nous rencontrons Dieu. Et de l'autre côté, nous rencontrons l'adversaire ou le diable. Mais chacune de ces rencontres aura une influence sur nous. Soit nous sommes propulsés dans le spirituel, dans le prophétique, soit nous sommes maintenus dans le monde et nous restons charnels. Mais tout cela se passe dans des diverses vallées que nous traversons. Où nous rencontrons Dieu, où nous rencontrons le diable. Et si nous rencontrons Dieu, nous sommes propulsés dans le spirituel, nous sommes propulsés dans le prophétique. Où nous rencontrons les diables, nous restons charnels et nous sommes maintenus dans le monde. Mais ce qui est important, c'est que pour que nous soyons propulsés, soit dans le spirituel ou dans le prophétique, ou pour que nous soyons maintenus dans le monde, et rester charnel, nous avons un choix à faire. Soit je choisis de ressembler à Dieu et je deviens un homme spirituel, un homme prophétique, soit je choisis de rester ou de ressembler au diable et je reste maintenu dans le système du monde et je suis pour toujours un homme charnel. L'histoire que nous venons de lire d'Abraham, c'est une histoire qui dit tout de par son contenu. Abraham était un homme qui a grandi comme tous les hommes. La Bible parlant de son passé, il dit que Abraham, il était un idolâtre. Et la personne qui nous donne cette information, c'est Josué. Quand il parle aux enfants d'Israël dans les livres de Josué au chapitre 24, au verset 2, il dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Donc Abraham était aussi un idolâtre, il était un païen, si on peut se permettre de dire ça comme ça. Mais quand le Seigneur s'est révélé à Abraham, il a appelé à quitter sa patrie, son pays et à partir, à aller là où Dieu voulait l'envoyer. La Bible nous fait comprendre qu'Abraham était parti et il était parti pas seul, avec sa femme
et son neveu Lot. Ils sont partis, mais suite à un conflit au niveau de la famille, Lot a préféré se séparer de Lot. Abraham a séparé, s'est séparé de son frère Lot. Il est parti habiter quelque part, et Abraham également est resté quelque part. Mais il s'est fait que il y avait un roi qui avait des alliés et il dominait beaucoup de pays, beaucoup de villes à l'époque. Alors, les villes qu'il dominait, le roi se sont révoltés. Alors, ce roi-là, Kedar, leur mère, il a appelé ses alliés. Il dit, venez, venez m'aider. Je veux reconquérir mes esclaves parce qu'ils ont tenté de fuir. Il a organisé et il a appelé beaucoup de rois. Si vous voulez comprendre cela, vous n'avez qu'à lire. Toujours Genèse chapitre 14, vous commencez à partir du premier verset, vous descendez. Vous allez voir, on cite les royaumes et le nom de leur roi. Quand ils sont partis, ils ont saccagé, ils ont pillé et ils ont amené beaucoup de gens en esclavage. Et parmi les gens qui étaient partis en esclavage, il y avait Lot, le neveu d'Abraham. Alors un fugitif, un fuyard, qui connaissait la relation qu'il y avait entre Lot et Abraham, est venu vite voir Abraham pour lui dire, écoute, il y a eu un mouvement là-bas, on a tué les gens et on a emporté les gens en esclavage et ton neveu aussi est parti. La Bible nous donne une information merveilleuse. La Bible dit, Abraham rassembla des hommes. Il a constitué une armée. Ils sont partis. Il a massacré ce qu'il pouvait massacrer. Il a fait des choses merveilleuses. Et il a récupéré son neveu Lot. Mais écoutez comment la Bible souligne des choses dans cette histoire. Dans Genèse chapitre 14, la Bible nous dit ceci. La Bible dit, dans les temps d'Amraphel, roi des Shinéar, d'Arjok, roi des Lassar, de Kedorlaomer, roi des Lames, et de Tidéal, roi des Gozim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome. Et la Bible, je vais sauter des choses, mais la Bible dit ceci, au verset 7, « Puis ils s'en retournèrent vers Ahem Mishap, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Atsachon Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma et le roi de Tchoboïm et le roi de Béla, qui est Tchoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedor Laomer, roi d'Etlam, Tidéal, roi de Gozim, Amraphel, roi de Sinéar, et Arjok, roi de Lassar, quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte des puits de Bitim. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes les provisions et ils s'en allèrent. Donc pendant qu'il y a eu guerre, les deux rois, bizarrement, le roi de Sodome et de Gomorre ont pris fuite. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de fuir, il y avait un puits, puits de bitume, ou on peut dire ça, pour comprendre, puits de goudron. Ils ont fui et ils sont tombés là-dedans. Ce qui fait que les autres étaient tués, les autres étaient emportés en esclavage, mais eux, on les a laissés en vie. Abraham est parti, il a récupéré son neveu, il a récupéré les hommes, il a récupéré des richesses. Alors, la Bible dit ceci, pendant qu'Abraham était en train de rentrer chez lui, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedar leur mère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Abraham, nous connaissons tous qui était Abraham, mais Béra, c'est le roi de Sodome. Il vient voir Abraham. Quand Abraham était en train de rentrer, il le salue, sûrement avec beaucoup d'éloges. Il lui dit, waouh, je vois vraiment que tu es un homme fort. Mais ils se sont rencontrés où? C'était à la vallée de Chavé. Mais dans cette vallée de Chavé, il n'y avait pas que le roi de Sodome qui était venu. La Bible dit, il y avait aussi un homme du nom de Melchisédek
qui était le roi de Salem. C'est des rencontres dans la vie d'Abraham d'un côté, Melchisédek et de l'autre côté, Béra. C'était des rencontres, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pouvaient les propulser, l'aider à avancer, ou ça pouvait le regresser. Ça pouvait l'aider à devenir encore un homme beaucoup plus spirituel, un homme prophétique, où ça pouvait le maintenir dans le statu quo, pas de changement. Il a croisé Melchisédek, il a croisé Béra, mais cela n'a pas changé dans sa vie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que ça puisse apporter un changement ou une évolution, tout dépend du choix que Abraham doit faire. Quand Dieu parle aux enfants d'Israël dans les livres de Deutéronome, il leur dit ceci, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre marche chrétienne, tout ce que nous allons pouvoir vouloir, ça dépend du choix que nous allons opérer. Si tu veux être un homme puissant, tu veux être un homme faible, c'est un choix. Mais ce qui est merveilleux, c'est dans le choix que nous sommes appelés à opérer, Dieu nous donne toujours des conseils. Il dit, choisis la vie. La Bible parlant de Moïse, il dit que Moïse choisit l'opprobre de Christ, qui est le trésor de l'Égypte. Il avait un choix à faire. Il a estimé, il a pesé les choses, il a dit non, je préfère l'opprobre de Christ et non les richesses de l'Égypte. Abraham également doit faire un choix. Et ce qui est drôle, ce qui est bizarre, ces deux hommes sont venus voir Abraham dans cette vallée de Chavé. Pourquoi seulement à la vallée de Chavé? Si nous voulons comprendre cela, nous avons intérêt à comprendre ce que signifie Chavé. Chavé, ça vient du mot Shavad, en hébreu, qui veut dire être d'accord ou devenir pareil, se ressembler à. Donc, Chavé veut tout simplement dire un lieu de ressemblance, un lieu où on se met d'accord, un lieu où on devient comme, où on ressemble à quelqu'un, où on devient l'équivalent d'une personne. Donc, si à Chavé, dans cette vallée, il y a le roi de Salem qui est venu, et il y a également le roi de Sodome qui est venu, ça veut dire que ces deux rois, ils avaient besoin d'un semblable. Alléluia. Alléluia. Ces deux rois avaient besoin d'un semblable. Mais pourquoi seulement là-bas? Comme je dis, c'est un lieu de ressemblance, un lieu où on devient comme, on devient pareil. Le roi de Sodome, tout comme le roi de Salem, chacun voulait qu'Abraham soit comme lui, qu'Abraham devienne comme lui, qu'Abraham soit d'accord avec lui ou qu'Abraham lui ressemble. Et ils sont tous les deux, ils sont venus pour conclure un marché, pour conclure un deal, pour qu'il y ait un business en place. Comme je l'ai dit dans notre vie chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur, il est question de la ressemblance. Nous n'aurons que deux choix. Ou nous ressemblons à Christ, conformément à l'objectif de Dieu, quand il nous appelle à Christ, ou nous ressemblons au diable. Et nous avons tout ce qui est du diable en nous. Le roi de Salem est venu, et le roi de Sodome également est venu. Mais si nous lisons l'histoire, nous allons comprendre que la première personne à se présenter, c'était le roi de Sodome. Mais la première personne à commencer à poser des actes dans la vie d'Abraham, c'était le roi de Salem, Melchisédek. Essayons un peu de voir comment ces deux vont procéder pour qu'Abraham devienne leur semblable. Parlons d'abord de Melchisédek, parce que c'est lui qui est venu après, mais qui a posé des actes en premier. La Bible dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Dans ce verset, nous sommes en train de remarquer où nous avons quatre informations au sujet de cet homme du nom de Melchisédek. La première information que nous avons, c'est son nom et celui de son royaume. La deuxième information que nous avons, c'est son apport, ce qu'il a apporté à Abraham.
La troisième information que nous avons, c'est sa profession. Qu'est-ce qu'il faisait? Et la quatrième et dernière information, c'est ce qu'il a fait en Abraham. Son nom veut dire Melchisedec, qui veut dire roi de Salem. Et Salem, non, son nom veut dire Melchisedec, qui veut dire roi de justice. Il était le roi de Salem. Salem veut seulement dire la paix. Ça, c'est le nom de cet homme et le nom de son royaume. Roi de paix, roi de justice, roi de paix. Il apporte des choses merveilleuses. Il apporte le pain et le vin, un peu comme la Sainte Cène tout à l'heure. C'est ce qu'il apporte à Abraham. Et la Bible nous dit qu'il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Qu'est-ce qu'il a fait? On nous dit, il bénit Abraham. Il bénit Abraham et lui révèle un Dieu très haut, El Elyon. Dieu très haut. Sûrement Abraham n'avait pas encore cette révélation-là, mais Melchisedec est venu à cela. Quand nous voyons tous ces éléments, nous comprenons tout de suite que Melchisedec, il est l'image de Christ. Alléluia. Nous voyons tout de suite que Melchisedec est le type de Christ. D'ailleurs, la Bible explique même cela dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, versets 1 à 3. La Bible dit, « Ce Melchisedec était, selon l'Écriture, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur le roi et qui l'a béni. Et c'est à lui qu'Abraham a donné le dixième de tout son butin. Tout d'abord, le nom de Melchisedec signifie « roi de justice ». Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. En outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu. Et il demeure prêtre pour toujours. Donc, Melchisedec, il est vraiment l'image de Christ. Sans père, sans mère, sans généalogie. Alléluia. Vous savez ce que j'aime en Christ? Il est le fils de sa mère, mais il est plus âgé que sa maman. Il est le fils de son père, mais il a le même âge que son père. Ça, c'est Christ. Il est le fils de sa mère, mais il est plus âgé que sa maman. Il est le fils de son père, mais il a le même âge que son père. Et la Bible dit que ce roi-là, Melchisedec, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Et il est semblable à Christ. Donc, c'est ce que Christ fait dans la vie d'Abraham. Quand il apparaît, c'est ce que Melchisedec fait dans la vie d'Abraham. Quand il se révèle à lui, il vient avec ces quatre choses. Il pose ces quatre actes. Nous voyons ces quatre informations. Ce que nous devons savoir, c'est que quand Christ se révèle à nous et que nous le recevons, quand nous nous mettons d'accord avec lui, quand nous devenons son semblable, il y a un marché qui se crée, il y a un deal qui se crée et nous vivons dans la justice de Dieu et dans la paix de Dieu. C'est pour cela que dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 17, l'apôtre Paul écrit en disant, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Donc, quand nous recevons Christ, nous avons ces deux éléments. Nous avons la justice et nous avons la paix. Et c'est ce que Melchisedec est venu faire dans la vie de Christ. Il lui apporte le pain et le vin. Quand nous voyons cela, nous voyons encore l'image de Christ qui a donné son corps et son sang pour nous. Le pain et le vin. Melchisedec donne ces deux éléments à ce garçon du nom d'Abraham. Il lui dit, tiens, le seul moyen ou la seule façon pour Melchisedec d'avoir une ressemblance, d'avoir un accord, parce que nous avons dit « savez » veut dire lieu d'accord, lieu d'entente. L'entente entre Melchisedec et Abraham ne pouvait se passer que dans cette vallée au moyen des éléments qu'il avait apportés, le vin et le pain. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous mettre d'accord avec Dieu si nous échappons à l'œuvre de la croix. Pour que nous soyons semblables à Christ, pour que nous devenions enfants de Dieu et que Dieu se donne la peine de nous transformer, la première des choses que nous devons retenir, c'est que tout passe par l'œuvre de la croix. Jésus,
en parlant de lui-même dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 54, il dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Manger la chair de Jésus et boire son sang, c'est une expression qui veut seulement dire s'approprier de la mort de Christ. Donc si nous voulons devenir semblables à Christ, si nous voulons bénéficier d'un accord avec le Seigneur, tout commence par l'œuvre de la croix. Et Melchisédek est venu, il a posé cet acte en premier. Il lui donne le pain et le vin. Et si vous lisez l'histoire un peu plus loin, vous allez voir que la vie d'Abraham a subi un grand changement. Plus loin, vous allez voir Dieu dire à un roi, tu vas aller voir cet homme, c'est un prophète, il priera pour toi. Il est devenu prophète quand? C'est en ce moment-là que le prophétique a été déclenché dans la vie d'Abraham. Il a mangé le pain et il a bu le vin que Melchisédek lui a donné. Et cela a produit un grand changement dans la vie d'Abraham. Quand Melchisédek a fait son travail, il a fini, Melchisédek est parti tout de suite après. Le roi de Sodome se présente. Il lui a donné le pain et le vin et il a béni Abraham. Il lui a dit tout ce qu'il devait savoir. Quand le roi de Salem finit son travail, la Bible dit le roi de Sodome. On ne cite pas son nom, mais plus haut, on a cité son nom en disant Béra, roi de Sodome. Le roi de Sodome également est venu dans la même vallée. Il a vu ce qu'Abraham a reçu. Il a vu, il a entendu ce qu'on a dit au sujet d'Abraham. Lui aussi, il vient. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. Dieu est esprit, le diable également est esprit. Mais les deux ont besoin du matériel, de ce qui est physique pour qu'ils commencent à se manifester. C'est pour cela, Dieu veut habiter en l'homme, le diable aussi veut habiter en l'homme. Parce que tout le monde, tous ces deux sont des esprits, mais ils ont besoin du matériel pour s'exprimer. Alors, le roi Béra aussi se présente. Il vient faire un deal, un marché aussi avec Abraham. Essayons de comprendre un peu plus sur Béra. Procédons comme nous avons fait avec le roi de Salem. Béra, il est le roi de Sodome. Son nom veut dire ceci, fils du mal. Ça c'est Béra, fils du mal. Et son royaume signifie qui brûle. Donc si tu vis dans son royaume, sache que tu vas brûler ou tu vas être brûlé. Lui-même c'est le fils du mal, le prince du mal. Il sait comment réguler le mal. Il est comme, on dira aujourd'hui, il est comme un thermostat. C'est lui qui donne, qui régule la chaleur. Dès qu'on atteint une certaine température, il coupe. Dès que la température baisse, il fait augmenter encore la température. Donc, il régule le mal. Ça, c'est Béra. Mais lui aussi, il a besoin d'un homme. Il a besoin d'une femme. Il a besoin d'une personne. Mais il ne va pas chercher ailleurs, frère. Il cherche seulement celui qui vient de recevoir les choses de la part de Dieu. Il ne va pas à gauche, il ne va pas à droite. Il ne va pas chercher les païens parce que les païens lui appartiennent. Mais il cherche la jeunesse émergente et prophétique, la jeunesse concurrente. Ce sont ceux-là que lui, il cherche. Il cherche une église vivante, une église qui célèbre Dieu, une église qui adore et qui se prosterne. Il vient proposer un marché. Son nom veut dire fils du mal. Quand il vient voir Abraham, il ne lui dit pas que ce que tu as reçu là, c'est faux. Non. Il dit, je reconnais, tu as reçu quelque chose et tu as atteint un certain niveau. Il dit, je reconnais que cet homme que tu as croisé, il est aussi roi comme moi. Mais laisse-moi te témoigner ma reconnaissance. Tu as sauvé, tu as délivré mes gens. C'est pour cela que moi aussi, je veux te donner quelque chose. Et d'ailleurs, lui, il t'a donné seulement du pain et du vin. Moi, je te donne les richesses. Prends les richesses, rends-moi les hommes. Waouh. Vous devez comprendre que dans notre marche chrétienne,
Il n'y a rien qui soit aussi précieux que ce que nous obtenons par la croix. Rien n'est aussi précieux que ce que nous, recevons par l'œuvre de la croix. C'est vrai que quand nous regardons la vie, Christ est mort pour moi, j'ai été sauvé, mes péchés sont pardonnés, on a comme l'impression que c'est quelque chose de négligeable. Mais bien aimé, ne vous y trompez pas, l'éternité de l'homme dépend de l'œuvre de la croix. Mais qui sait dès qu'il vient, il a donné ce qu'il faut, mais le roi Béra est venu pour essayer un peu d'inhiber, d'empêcher l'évolution, d'empêcher l'élan que Dieu voulait donner à son serviteur Abraham. Nous sommes en train de passer des moments merveilleux avec le Seigneur. Dimanche après dimanche, on nous parle des saisons de la gloire. Quelques jours avant, il y a eu un événement glorieux qui a bouleversé beaucoup de choses que nous avons appelées la Cogéraf, avec un thème puissant et intéressant, l'émergence d'une jeunesse prophétique et concurrente. Dieu a fait beaucoup de choses, les vies de beaucoup de gens ont changé, beaucoup de personnes ont expérimenté les faveurs de Dieu. Beaucoup de gens ont une destinée en rose. Tout le monde voit maintenant que ma vie a un sens. Nous sommes en train de réaliser qu'avec le temps, nous évoluons avec le Seigneur. Dieu est en train de nous amener de gloire en gloire. Et nous sommes très heureux de ce que Dieu est en train de faire. Melchisédek, il a dit à Abraham, béni soit Abraham, par les dieux très hauts. Quand il a béni Abraham, il ne lui a pas donné les éléments. Mais dans la bénédiction qu'il a donnée à Abraham, il y avait beaucoup de choses qui se cachaient dedans. Écoutez comment il dit. Il lui dit, béni soit Dieu. Béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Melchisédek a fait mention d'un Dieu très haut seulement à cet endroit-là. Vous savez, bien aimé, Dieu ne fait pas des choses par hasard et nous avons un Dieu anticipateur. Quand le diable arrive, il ne sait pas que Dieu est déjà passé. C'est pour cela, quand David parle de sa naissance, il dit, « Avant que je ne sois né, je n'étais qu'un embryon, Dieu me connaissait et tout était inscrit dans le livre. » Donc, tout ce que je peux vivre aujourd'hui, Dieu l'avait déjà écrit dans un livre. Ce qui fait que quand le diable vient faire ce qu'il veut, je lui dis, sois le bienvenu, mais tu es venu en retard. Dieu avait déjà écrit. Même s'il me trouble, même s'il m'amène à gauche, à droite, je commence à gratter la tête, je pleure, mais je sais qu'il est venu en retard. C'est pour cela que ce que le roi de Sodome aurait dû faire, c'était de commencer en premier, donner des choses à Abraham. Mais lui, il vient après que Dieu a fait déjà des choses. Dans sa bénédiction, Melchisédek a dit à Abraham, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » La formulation de sa bénédiction cache trois notions essentielles de la vie chrétienne. La première des notions, c'est la notion de la bénédiction. Il fait comprendre à Abraham que la bénédiction ou ta bénédiction, toi Abraham, est lié à la connaissance que tu as de Dieu. Et aussi, il lui fait comprendre que la vraie bénédiction qu'un homme peut recevoir, c'est celle qui vient de Dieu. D'ailleurs, Salomon dira plus tard, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi tu dis ça, Melchisédek? Je ne comprends pas. Melchisédek, il sait qu'après mon départ, un autre viendra te proposer des choses. Tu seras aussi tenté à le prendre. Mais moi, je te dis que ta bénédiction dépend de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous vivons dans un monde à concurrence, un monde de plus en plus agressif. Avec la mondialisation, avec le matériel qu'on nous présente des choses au jour le jour. Le véhicule change au jour le jour. Tu as acheté un véhicule l'année dernière, aujourd'hui, elle devient caduque. Et il y a des véhicules qui changent tout le temps. Des véhicules, tu commences à tout faire tout seul et on est de plus en plus tenté à vouloir les posséder. Nous voulons avoir, nous voulons posséder.
Nous voulons être des prédicateurs qui marchent avec des belles voitures. Nous voulons être des hommes qui s'habillent comme il faut. Nous voulons avoir de l'argent parce que nous avons besoin d'argent, besoin d'argent. Et tout ça, Dieu le sait. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne nous trompe pas. La première des choses que nous devons savoir, c'est que notre bénédiction est liée à la connaissance de Dieu. La bénédiction, elle n'est pas d'abord matérielle, elle est d'abord spirituelle. Quand cet homme a dit à Abraham, « Sois béni », il ne lui a pas donné des choses, il est seulement parti. Il lui a seulement dit des bonnes paroles, il est parti. La deuxième notion que nous voyons dans la bénédiction de cet homme, c'est la notion de la priorité. Il dit « Sois béni par le Dieu très haut, pas un Dieu de la terre ». Ce qui veut dire que pour Abraham, la priorité n'est pas ce qui est sur la terre, mais ce qui est dans le ciel. Abraham doit apprendre à soupirer, à s'affectionner aux choses d'en haut. Ainsi, nous les enfants de Dieu, frères, quand nous venons en Christ, ce n'est pas d'abord pour le matériel que nous venons. Vous savez, autrefois, on a prêché l'évangile, si tu n'as pas d'enfants, viens en Christ, tu auras des enfants. Si tu n'as pas de mariage, viens en Christ, tu auras des mariages. Et les gens sont venus également. Mais nous nous sommes rendus compte que ceux qui étaient venus pour les mariages, il y en a eu qui ont reçu les mariages, il y en a eu d'autres qui ne l'ont pas reçu. Ceux qui étaient venus pour les enfants, il y en a eu qui ont reçu les enfants et d'autres qui ne l'ont pas reçu. Et ils retournaient vers nous pour nous demander, vous avez dit, si je viens, j'aurai, mais je ne l'ai toujours pas. Et on a été obligé de réajuster notre tir. On commence à dire, viens à Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. On a fait croire aux gens que la vie chrétienne, c'est le matériel. On a fait croire aux gens que quand tu es un homme de Dieu, tu as l'onction, il faut que tu roules avec une belle voiture. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir beaucoup d'argent. Un enfant de Dieu ne pleure pas. C'est-à-dire, on nous fait croire qu'en Christ, il n'y a rien de compliqué. Tout est bon, tout est facile. Mais j'ai été scandalisé un jour en lisant la Bible. La Bible dit... Dieu, grâce nous a été faite par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. J'ai dit, waouh, donc souffrir pour Christ, c'est également une grâce. Oui. La vie chrétienne ne doit pas être appréciée par ce que nous voyons. La priorité, ce n'est pas ce que nous voyons sur la terre. La priorité, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des belles choses. Mais la priorité pour nous, c'est le ciel. L'apôtre Paul, écrivant aux Colossiens, il dit ceci, « Si vous êtes donc ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Abraham, sois béni par les dieux très haut. Si tu sers un Dieu très haut, tu vas t'affectionner aux choses d'en haut. Tu vas t'affectionner dans les choses qui concernent les spirituels. Mais si on t'a présenté un Dieu matériel, tu vas toujours faire une course effrénée derrière le matériel. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, la vie chrétienne ne s'apprécie pas par rapport au bien de ce monde. Tu peux me juger parce que je n'ai pas la voiture que tu as. Tu peux me juger par rapport aux relations que tu as et que je ne l'ai pas. Mais laisse-moi te dire, je me bats tous les jours pour avoir les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite. Il lui dit, tu dois apprendre à apprécier les choses d'en haut. La troisième notion que la bénédiction de Melchisédek cache, c'est la notion de la suprématie et de la souveraineté de Dieu. Il dit, maître du ciel et de la terre. C'est-à-dire, même si sur la terre les choses bougent et que les gens disent, si vraiment Dieu existe, pourquoi? Pourquoi Dieu a les persécutés? Si vraiment Dieu existe, si vraiment je suis un enfant de Dieu, pourquoi je passe à toutes ces choses? J'aime le prophète Jérémie qui disait, pourquoi ma souffrance est-elle sans fin et ma plaie refuse-t-elle de se cicatriser? Waouh! Jérémie, une très bonne question. Il dit, ma souffrance est-elle sans fin? Ma blessure incurable et elle refuse de se cicatriser. Je sais que tu te poses beaucoup de questions et des fois tu commences à remettre ta foi en question. Si vraiment je suis un enfant de Dieu, pourquoi ceci? Et cependant que tu dis cela, le diable dit vraiment, si vraiment tu étais un enfant de Dieu, pourquoi tout cela? Si vraiment,
Si vraiment. Bien-aimé dans le Seigneur, une bonne vie chrétienne, c'est cette vie-là qui a des questions de pourquoi. Le psalmiste dit jusqu'à quand? Oui, jusqu'au temps où Dieu a fixé les choses. Alors, il bénit Abraham et il part. Mais Béra vient, il dit, Abraham, j'ai des richesses à te donner. Toi, donne-moi les hommes, garde mes richesses à moi. Comment un homme dont le nom signifie fils du mal peut produire de bonnes richesses? Garde les richesses et donne-moi les hommes. Donne-moi les hommes et toi tu gardes les richesses. Dans cette affirmation ou dans cette négociation, le roi de Sodome, c'est-à-dire Béra, il voulait premièrement effacer de l'esprit d'Abraham, de sa mémoire, le pain, le vin et la bénédiction que Dieu lui avait donnée. La première tentative du diable, quand il vient auprès de nous, il essaie de nous faire croire que l'œuvre de la croix, ça ne sert à rien. Tu es sauvé, oui, mais regarde comment tu vis, si vraiment tu es sauvé. C'est bien, tu es sauvé, mais regarde comment tu es. Le diable a toujours voulu nous faire oublier l'œuvre de la croix où tout a été accompli. Le diable cherche toujours à écarter nos regards de l'œuvre expiatoire et rédemptrice de Christ. Le diable veut inhiber les effets de l'œuvre de la croix et les bénédictions que nous avons en Christ. Deuxième chose, c'est que le roi de Sodome veut amener Abraham à une vie de mélange. Garde ce que tu as reçu de Dieu, le pain et le vin, c'est bon. La bénédiction, c'est bon, mais prends aussi mes richesses. Tu peux le mélanger. Il veut faire d'Abraham également un homme qui a les grâces de Dieu, qui a les faveurs de Dieu, mais qui garde encore les richesses de Sodome. Le temps ne manquerait pour parler de la richesse de Sodome, mais si vous voulez comprendre les richesses de Sodome, étudiez comment Dieu parle de Sodome. Étudiez comment la Bible parle de Sodome. Étudiez comment Dieu lui-même quitte son trône dans le ciel, il vient sur la terre pour vérifier les informations qu'il reçoit au sujet de Sodome. Il dit à Abraham, j'ai entendu des choses contre Sodome et Gomorrhe. Je descends moi-même, je viens vraiment me rendre compte pour savoir si ce que j'attends est faux ou si c'est vrai. Et si vous voulez apprécier un peu la vie des gens de Sodome, ce sont des hommes qui n'ont pas eu peur de vouloir avoir des relations sexuelles avec des anges. Quand les hommes sont venus vers Lot, les gens de Sodome et de Gomorrhe sont venus. Et ce que j'aime dans ces versets-là, la Bible dit, du plus grand au plus petit. Même les enfants sont venus. Ils disent à Lot, fais-nous sortir des hommes que tu as avec toi, afin que nous couchions avec eux. Waouh! Et les papas et les enfants. Voilà Sodome. Et c'est ces richesses-là que cet homme veut donner à Abraham. Le roi de Sodome veut amener Abraham à une vie de mélange. Les soucis du diable est de nous amener dans une vie de mélange, de duplicité, de compromis. Il veut que nous soyons des hommes charnels, qui ont la grâce et les faveurs de Dieu, mais qui vivent encore sous les désirs de la chair et selon les trains de ce monde. Car le diable sait que l'un des moyens pour ne pas avancer avec Dieu, c'est de nous maintenir dans les compromis. Ça, c'est le diable, il le sait. Et peut-être que ces derniers temps, tu es en train de vivre une vie où, à peine tu viens de te donner à Christ, tu commences à voir des choses en toi, tu commences à regretter un peu ton passé, tu es tenté à combiner les choses, à récupérer ce que tu avais abandonné, tu es tenté un peu de vivre un peu du monde que tu avais laissé. Tout ça pourquoi? Parce que le roi de Sodome s'est présenté et il veut te donner des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, il avait reçu ce qui était invisible, mais ce qui allait faire sa vie. L'œuvre de Christ, nous ne pouvons pas l'apprécier à sa juste valeur comme ça. On ne voit pas le matériel, mais ce qui est vrai, c'est que l'œuvre de la croix est la base de tout épanouissement et de toute prospérité. En Christ, nous avons la paix. En Christ, nous avons la joie. En Christ, nous vivons la justice. Et ce qui est vrai encore en Christ, c'est que l'avenir est assuré. Paul disait, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais cette gloire n'est pas seulement pour le ciel. Même ici sur terre, nous avons toujours la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que rien ne puisse te perturber par rapport à tout ce que tu as reçu. Le diable sait ce qu'il est en train de faire. Le temps difficile que tu vis,
Ce n'est pas le temps éternel. La Bible dit que la gloire à venir n'est pas comparable, la souffrance à venir n'est pas comparable à la gloire à venir. Même si je ne vois rien en Christ, mais ce qui est merveilleux, frère, c'est ce que j'ai reçu en moi. Que Dieu te bénisse. C'est ce qu'Abraham a reçu. Abraham, tu as croisé les dieux de Salem. Oui. Il t'a donné quoi? Non, il ne m'a rien donné. Il m'a juste dit des mots. C'est tout. Regarde, moi j'ai des richesses. Si tu acceptes, je te le donne. Entre les paroles dites en l'air, entre guillemets, et le matériel qu'on te présente, qu'est-ce qui est plus valable? C'est le matériel. Mais quel matériel? Ça vient d'où? Le problème, ce n'est pas qu'est-ce qu'on te donne, mais le problème en premier lieu, c'est d'abord qui te donne ça? Et qu'est-ce que cela représente? Un fils du mal, qu'est-ce qu'il peut me donner? Rien. Béra. Tout ce que le monde peut te donner, même si ça apparaît bien. Le roi Salomon dit, telle voie paraît droite à un homme, son issue, sa fin, c'est la voie de la mort. Bien-aimé, je sais que tu passes un moment de turbulence. Tu es comme l'avion dans la zone de turbulence. Tu as donné ta vie à Christ, mais le monde se présente à toi d'une manière incroyable. Tu as des offres à gauche, à droite, des offres merveilleuses. Tu te dis, mais ça, je ne peux pas le laisser, ça, je ne peux pas rater. Mais n'oublie pas, ces offres-là que tu reçois là, ça vient d'où? Béra dit à Abraham, prends la richesse, donne-moi des hommes. Mais ce que j'ai aimé dans la vie d'Abraham, c'est qu'Abraham, il a fait un choix. L'Abraham dit, la Bible me dit, Abraham a refusé. Il dit non, je ne le prendrai pas. Il donne même des raisons. Il dit, sinon un jour tu diras, si Abraham est devenu comme ça, c'est grâce à moi. Vous savez, s'il y a quelque chose qui est dangereux contre le monde peut t'élever aujourd'hui. Quand tu deviendras au sommet, il criera, ça, c'est moi qui le lui ai donné. C'est pour ça, des fois, je suis un peu surpris et scandaleux quand j'entends qu'il y a des prédicateurs qui touchent à des fétiches. Je me pose la question, pourquoi? Pour quelle raison? Et plus tard, tu verras quelqu'un qui dit non, moi, j'étais le secrétaire particulier de Lucifer. Je connais des prédicateurs qui étaient venus nous voir et nous leur avons donné des choses. Et ça commence à créer des problèmes. C'est ça le monde, frère. Si tu as quelque chose qui appartient au monde, il y aura un jour, le monde te fera du chantage. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, quand il fait des choses, il n'a pas besoin de faire du chantage. Je verrai être un prédicateur qui est comme tel, qui s'appuie sur l'Éternel, qui fléchit les genoux, qui lit les Écritures. Si j'ai une prophétie, je prophétise. S'il n'y en a pas, je m'étais. Je ne peux pas vouloir être comme, parce que j'ai vu, elle a fait pour parler les portables, elle a fait ceci, elle a fait cela, alors moi aussi il faut, non. Je sais que c'est que Dieu m'a donné, et si Dieu me l'a donné, ça me suffit. J'ai appris à dire, Dieu ne donne pas des choses parce qu'il en a beaucoup, mais Dieu donne des choses parce qu'il voit qu'il y a un besoin. Abraham il dit, non, je ne prendrai pas tes richesses, il refuse. Quand il refuse, Abraham envoie un message clair à ce roi Béra. Qu'est-ce qu'il lui dit par là? Il lui fait comprendre seulement que tes richesses là, moi je n'en ai pas besoin. Il sait que ce qu'il a reçu de Melchisedec est le meilleur et ne peut être mélangé avec quoi que ce soit. Il sait que ce qu'il a reçu de Melchisedec fait de lui un prophétique, tandis que les richesses de Béra font de lui un sodomique. Il le sait. Il sait que l'apport de Melchisedec affecte sa vie spirituelle, mais l'apport de Béra infecte sa vie spirituelle. L'autre lui apporte de l'affectation, mais l'autre lui apporte de l'infection. Une vie chrétienne qu'on peut apprécier, mais c'est pourri à l'intérieur. Il dit non, je vais avoir ce qui m'affecte et non ce qui m'infecte. Il sait que l'apport de Melchisedec est un message, tandis que les richesses de Béra est un massage. Il dit que ce que Dieu me donne là, c'est un message. Ça peut m'amener à la mort. Mais ce que Béra me donne, c'est un massage. Ça me caresse. Ça me fait un peu du bien. Mais l'objectif, c'est la mort. Je veux un message et non un massage.
Et malheureusement, nous vivons un temps où les gens veulent un massage. Qu'on leur dise des choses tout haut, des choses qui leur font du bien, mais qu'on ne leur dise pas des choses qui sont vraies. Abraham, il dit non, je n'en ai pas besoin. Parce que ce que Dieu me donne changera ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que les temps sont durs. Je sais que tu passes dans la vallée de Sheva. Diable, le diable est là, le Seigneur aussi est là. Mais reconnais seulement une chose, dans cette vallée-là, tu ne mourras pas. Soit tu sortiras propulsé, soit tu sortiras maintenu dans la chair. Mais accrochons-nous à Christ. Bien-aimé, ce que Dieu nous donne, c'est le meilleur. L'œuvre de la croix est incomparable à quoi? À rien. Ça reste l'œuvre idéale, le chef-d'œuvre de Dieu, la croix. Nous devons nous attacher à cela, parce qu'avec cette œuvre-là, nous avons la vie. Même si je peux manquer aujourd'hui, même si le roi de Béra amène toutes ses richesses, je le vois, des maisons, des voitures, de l'argent, le succès, la gloire. Mais c'est seulement l'origine qui m'inquiète un peu. Ça vient du fils du mal. Béra, je veux bien le prendre, mais ton nom. J'ai peur de ton nom. Mais j'aimerais prendre ce qui vient de Dieu parce que j'aurai la justice et la paix. Mettons-nous debout, nous voulons prier le Seigneur. Tout est question de la ressemblance. À qui tu veux ressembler? Si tu veux ressembler à Christ, tu prendras ce que Christ donne, donc l'œuvre de la croix. Si tu veux ressembler à Béra, tu prendras ce qu'il va te donner. Avant que nous puissions aller loin, je vais te laisser le temps. Peut-être que tu commences à vaciller. Tu commences à bouger. Tu n'as plus de position ferme. Parce que tu vois ce que Dieu te présente. Et tu vois également ce que le diable te présente. Ça bouge ton cœur. Et tu commences à te penser du côté de l'ennemi. Si tu es là ce matin et que tu te reconnais, je vais te demander de te positionner, de prier Dieu afin que tu reviennes à la place qu'il te faut. J'aimerais que le chantre nous interprète un vieux cantique, je dis bien un vieux cantique, « T'es ressemblé Jésus et mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. T'es ressemblé Jésus et mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. » L'Église, nous allons élever nos mains vers le ciel. Église, élevons nos mains vers le ciel. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu. J'aimerais que chacun de nous prie Dieu. Parce que dans cette vallée de Savé, nous y passerons un jour. Dans cette vallée de Savé, nous croiserons de choses un jour. Et nous aurons un choix à opérer. Mais j'aimerais te demander de faire le choix de Dieu, de faire le choix d'Abraham. Est-ce que l'Église, nous pouvons élever nos voix et commencer à prier? S'il te plaît, lève ta voix et prie le Seigneur Dieu. Nos yeux fermés, prions le Seigneur. Demande à Dieu de t'aider afin que tu sois toujours semblable à Christ. Les richesses de Béra ne t'amèneront nulle part. Ça ne va pas t'affecter, mais ça va t'infecter. Alléluia. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Alléluia. Église, élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions Dieu. Prie Dieu. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Peut-être que tu es là, tu as déjà cédé aux propositions de Béra. Peut-être que tu as déjà accepté ce que Béra t'a donné. Et ça commence à faiblir l'impact de l'œuvre de la croix dans ta vie. Lève ta voix et prie Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te ressembler. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai dit non au monde. Dis à Dieu, Seigneur. Te ressembler, Jésus, c'est mon esprit.
toujours plus comme toi. Prions, prions, prions. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Prie pour ta vie, prie pour ta vie, frère, sœur. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Dis à Dieu que tu veux le ressembler. Tu veux être comme lui. Malgré les œuvres du diable. Malgré la tentative de l'ennemi. Dis à Dieu que tu veux le ressembler. Yeah. Oh yes. Dis Dieu. Dis à Dieu que tu veux être comme lui. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Pensez, agir, aimer, toujours. Une œuvre que personne d'autre ne pouvait faire. L'œuvre de la croix, c'est ce qui a donné un sens à notre vie réelle et à notre vie chrétienne, à notre vie spirituelle. C'est l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, nous voulons nous souvenir de cette œuvre de la croix. C'est grâce à l'œuvre de la croix que nous pouvons devenir semblables à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Melchisédek a apporté à Abraham le pain et le vin. Et Christ, le jour où
Les derniers jours de sa vie, il a présenté également à ses disciples le pain et le vin en disant le pain c'était son corps et que le vin c'était son sang. Et il a recommandé à ses disciples, il a recommandé à l'église qu'il fasse cela tout le temps en mémoire de lui. Et l'apôtre Paul nous appelle également à nous commémorer de cette œuvre de la croix. Et aujourd'hui, nous voulons profiter de la grâce de Dieu pour participer à la table du Seigneur. Peut-être que tu es là, tu as accepté Christ, tu as reçu le baptême par immersion, mais depuis un moment, tu ne participes plus à cette table pour des raisons que tu connais. Mais laisse-moi t'exhorter, te dire, accepte de participer à cette table. Ne rate pas cette occasion. C'est le moyen pour nous de penser à ce qui a donné un sens à notre vie. Si tu es là et que tu te sens prêt à participer à la table du Seigneur et que tu as été baptisé par immersion, tu te mettras debout. Si cela n'est pas le cas, si tu n'as jamais été baptisé par immersion, tu vas t'asseoir. Alors que tu es assis ou que tu es assise, je te prie de prendre dans ton cœur une décision de commencer à participer à la table du Seigneur. Si tu n'es pas baptisé par immersion, tu peux t'asseoir. Mais si tu es déjà baptisé par immersion et que tu sens que tu peux participer à la table du Seigneur, je t'invite à te mettre debout. Je vais demander à mon frère Riffin, il va prier Dieu pour le pain. Et je vais demander à mon frère Jude, il va prier pour le vin. Merci Seigneur. Père, dans la nuit où tu fis livrer Jésus, tu pris du pain et après l'avoir rompu, Seigneur, tu as partagé à tes disciples en disant, prenez ceci et mon corps que je livre pour la rémission de vos péchés. Faites ceci toujours en mémoire de moi. Nous nous souvenons, Père, de ce que tu as fait par Jésus. Père, nous prions, ainsi que ta parole le dit, que rien ne nous sépare de cet amour. Que rien, Seigneur, ni personne ne nous sépare de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton corps que tu as livré à la croix. Tu as souffert la croix pour nous, pour que nous soyons ce que nous sommes devenus, le peuple de Dieu, un sacerdoce royal, les troupeaux que ta main conduit. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton corps que tu as donné pour nous. Merci de nous enseigner à partager ta souffrance et à ne pas lâcher les chemins que tu nous as indiqués. Merci pour ton corps, nous le prenons avec action de grâce et nous prions qu'en prenant ces éléments, que la maladie parte, que Seigneur, la force revienne et que l'espoir demeure sur toi, le consommateur de notre foi. Nous voulons garder les yeux fixés sur toi, Jésus. Voilà pourquoi nous faisons cet acte symbolique. Nous nous souvenons de ton corps que tu as livré pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons exprimer notre reconnaissance à ton égard au travers de cet acte que tu as livré à la croix pour nous. Non pas que nous étions méritants de quoi que ce soit, mais malgré nos incapacités, malgré nos infirmités, tu t'es pas tenu compte, Seigneur, de l'état dans lequel nauséabond que nous étions. Mais tu t'es livré à la croix pour nous afin qu'en toi nous puissions être. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin nous voulons demeurer accrochés à toi. Je crie à toi, Père, en faveur de mes frères et de mes sœurs. Je crie, Seigneur, ce matin en faveur de ton Église. Même quand nous passerons, Seigneur, par cette vallée de Sheva,
mais que nous puissions demeurer accrochés à toi, mais que nous puissions tourner les regards sur la croix, que nous puissions tourner les regards fixés à toi et à toi seul, Père, parce que nous savons que tu n'es pas allé à la croix pour nous en vain, mais nous savons en toi, Père, nous pouvons espérer il y a de l'avenir pour nous. Voilà pourquoi, Père, je crie à toi au travers de ce symbole ce matin, afin que tu puisses toucher un cœur, afin que tu puisses guérir une vie et afin que tu étonnes encore quelqu'un ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je dis encore, Seigneur, ce matin, en ton nom, Père, même si que nous sommes à la fin de cette année ou de mois, à la fin de ce mois de décembre, mais je crois encore, Père, dans le nom de Jésus, que ce n'est pas encore fini pour quelqu'un. Esprit de Jésus, Seigneur, dispose ton esprit encore, manifeste ta gloire, et nous te rendons la gloire et la grâce qui t'est due à toi et à toi seul. Seigneur, merci pour ce symbolisme ce matin. Merci pour le prix payé pour nous. Nous te rendons la gloire et nous bénissons ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais demander à tous ceux qui sont baptisés par immersion et qui peuvent participer à la scène de se mettre debout.
Nous pouvons commencer à élever nos voix et bénir Dieu. Il nous aime, il veut que nous soyons semblables à lui. Te ressembler, Jésus. Que des voix s'élèvent dans l'assemblée pour bénir Dieu, pour l'œuvre de la croix. Malgré les manœuvres et les tentatives de l'ennemi, nous voulons bénir Dieu pour l'œuvre de la croix. Elle n'a rien en apparence, mais elle a tout dans sa réalité, dans la vérité. Alléluia. Que des voix s'élèvent dans l'assemblée pour bénir Dieu. Alléluia. Alors que des voix s'élèvent l'une après l'autre, nous nous associons à nos bien-aimés. Qu'une autre voix s'élève pour bénir Dieu pour l'œuvre de la croix. Sois béni.
Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour cette œuvre de la croix. Quand bien même des fois, nous oublions les vertus attachées à cette œuvre, à cause des circonstances, mais nous retenons au moins que cette œuvre-là a eu lieu pour que nous puissions ressembler à Christ. Et à jamais nous voulons désirer ressembler à Christ. Les temps peuvent être durs, les circonstances peuvent ne plus être en notre faveur, mais nous voulons garder les acquis de la croix. Nous voulons nous accrocher aux valeurs de la croix. Le monde de ses désirs passe. Le monde de ses plaisirs passe. La chair passera. Mais ceux qui font ta volonté demeurent éternellement. Donne-nous, éternel Dieu, d'avoir en esprit les réalisations de la croix et de savoir que la foi ne consiste pas seulement à posséder les richesses de ce monde. Donne-nous à s'affectionner aux choses d'en haut, à chercher les choses d'en haut, parce que c'est là où nous passerons notre éternité. Merci pour tout. Nous voulons te demander de bénir ces offrandes et les dîmes que nous voulons te donner. Bénis-le. Bénis toute personne qui donnera. Et ceux qui n'ont pas donné, Seigneur, donne-leur de telle sorte qu'à la prochaine, ils puissent te donner. David a prié en disant, nous te donnons ce que nous recevons de toi. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le panier des offrandes circule. Nous donnons nos offrandes et nos dîmes. Nous voulons dire à l'église que le service technique recherche un micro sans fil. Peut-être que quelqu'un, par erreur, par inadvertance, il a dû déposer ça quelque part ou partir avec cela. Si tu te retrouves, tu vas voir les techniciens qui sont là derrière ou tu vois notre frère Papa Désiré pour ses micros. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous avez dû remarquer l'absence du pasteur Noëlla et de Mamina. Comme j'avais dit au début, ils sont au Congo. Le pasteur Papicho, il n'est pas là, il est parti à Lille où il a un travail, je crois qu'il a fini. Et normalement, dans la semaine, le pasteur Noëlla sera de retour parmi nous. Nous voulons demander à tous ceux qui ont fêté leur anniversaire de naissance ou de mariage cette semaine, si vous êtes là, veuillez vous lever. L'Église va rendre grâce à Dieu à votre sujet. Ceux qui sont à côté de vous vous souhaitent bon anniversaire. Bon anniversaire, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.